Salut à vous les petits clous, bonjour, bienvenue ce matin, on est dehors, il fait beau. Voilà le trésor que j'ai sorti de mon camion. Alors c'est pas vraiment un trésor, c'est un vieux truc pourri que Geoffrey m'a un peu forcé à faire, hein. Geoffrey, tu pourras mettre un commentaire. Donc bref, non mais ça me fait plaisir. C'est un vieux support, un petit toit de puits qui est complètement pourri. Je vais remplacer donc toute la charpente. C'est un peu de la charpente, hein, mais en petites pièces de bois. Donc ça va être sympa pour moi de s'entraîner à faire des tenons, mortaises, tout ça. Donc on va tout faire en Douglas, on va garder le truc au milieu qui tourne. Et puis refaire en bois neuf. Donc on y va, on va se débiter quelques bons petits morceaux de bois. Et puis on va essayer de faire à l'identique, solide. Et puis ensuite il remettra une petite tôle jolie, propre dessus pour faire la finition. Alors, comment ça va vous? C'est vrai que je vous demande pas assez souvent comment ça va. Ah, vous pouvez pas répondre, hein. Non, c'était pour vous parler un petit peu. C'est vrai que je fais pas assez souvent de travail au ciseau à bois, avec la scie, et c'est bien agréable.
Bon là, clairement, c'est du travail de charpente, c'est un peu facile quoi, hein, dans son atelier, avec le petit étau Dolex, tous les outils qui vont bien, la scie anglaise, c'est vrai que c'est un petit peu facile. Mais la charpente, d'abord, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et intéressé. Alors, je suis pas du tout charpentier, hein, d'ailleurs, les charpentiers qui vont passer, j'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar en regardant cette vidéo, les gars. Mais bon, il faut bien travailler un petit peu pour s'exercer. Et moi, ce que je partage avec vous, eh ben, c'est la façon dont je m'exerce et comment j'apprends et comment je bricole, quoi. C'est ma petite façon à moi de bidouiller. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose de propre avec des tenons et des chevilles et ça va être sympa. Donc là, on est sur quelque chose qui va être quand même un petit peu précis, pas trop grossier. Après, c'est clair qu'il y a autant de travail de charpente que de charpentier, j'imagine, et de maçon. Voilà, entre celui qui fait les pavillons, celui qui a fait les meilleurs ouvriers de France, les compagnons, etc. Voilà, il y a des gars qui touchent leur vie, hein. C'est vraiment à ces gars-là que je veux m'excuser de ce qu'ils vont voir. Mais bon, on n'est pas là que pour ça. En tous les cas, c'est bien agréable de prendre un petit ciseau à bois que j'ai affûté juste avant, voilà, qui coupe. Si je ne le faisais pas avant, tout ça, et ben tout simplement, c'est parce que je pense que j'avais peur. On a peur de ne pas savoir faire, de faire des conneries. Et c'est clair qu'on en fait des conneries. Mais bon, il n'y a pas 36 solutions, hein, faut s'exercer. Et tu vois, moi j'aime bien apprendre, j'aime bien m'exercer. Donc, et ben, faut pas hésiter, faut y aller. Faut se lancer, surtout sur des petits projets comme ça. Ou si tu as un petit appentis à faire chez toi, je te mets la petite vidéo là dans le coin, tu vois. Voilà, tout le monde peut le faire. Il faut se lancer, il faut essayer. Et ça coûte vraiment 10 000 fois moins cher que si tu faisais intervenir un artisan ou un professionnel. Pour ceux qui ont envie d'essayer, il faut se lancer. Alors les proportions, je sais pas, mais il me semble que c'est un tiers le tenon et puis un tiers de chaque côté. Donc c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire et de respecter. Donc là, je vais le recouper à 45 ici. Et j'espère que je ne vais pas me faire piéger, que je vais réussir à l'emboîter après dedans. Bye.
Putain, j'ai le soleil en pleine tête. Bon, excusez-moi. Pour moi, pour ce qui est du travail chez moi, ça se termine comme ça. J'ai deux petites platines là, d'origine, qui vont venir se mettre comme ça dessous. C'est surtout pour faire joli. Mais là, il faut une énorme vis à tête frisée pour que ça soit propre dedans. Et ici, j'en ai pas. Peut-être en inox, ce sera pas mal. Je vous ai pas parlé du bois, de l'essence du bois. C'est du Douglas, c'est un résineux. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un bois qui a dans nos régions, dans le Morvan, qui a des bonnes propriétés à l'extérieur, hein, que ce soit au niveau des insectes, il tient bien à l'extérieur naturellement. Ce serait moi, personnellement, j'y mettrais pas de finition, je le laisserais comme ça, brut. Il va se griser un peu, moi ça me dérange pas. Après, chacun est libre d'y arranger comme il veut, donc voilà. Il est à l'identique dedans, j'étais obligé de le couper pour le mettre dedans. J'ai ressoudé, bon ça a l'air d'être pas mal. Je me suis fait plaisir ici avec un petit coup de laser, ce sera ma signature. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a diverti. On va pas se quitter comme ça, on va se quitter sur les images de chez Geoffrey, mon ami. On va l'installer chez lui, le mettre en place, il y aura la petite tôle qui va dessus. Ça, peint, fini, propre, les petites platines fixées. Ça fait plaisir de redonner vie à un vieux truc comme ça. Et puis qui va être utile, hein, il va fonctionner, il va sûrement aller chercher de l'eau dans le puits. Donc je vous laisse avec les petites images à suivre de l'installation chez mon pote Geoffrey. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous pouvez partager, liker, surtout mettre un commentaire. C'est bon pour le référencement de la vidéo. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien, gardez la pêche. Moi j'ai le soleil en pleine tête, là je ne vois absolument rien. Je vous embrasse, ciao! Non, c'est l'autre côté. Et voilà. Tu viens pas? Ouais. Allez, vas-y, ponce. Hop.